Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins mis la journée pour sa jeudi le 2 février. Dans nouvelles ordi, dans son conférence la presse pour matin, Conseil ministre annonce son décision pour abolir Conseil national pour HIV-SIDA. Le côté international, la Russie peut préparer pour lancer un gros attaque Ukraine le 24 février, un jour après qui marque un an depuis qu'il s'attaque à sa pays l'année passée. On nous voit bonne nouvelle en détail. Conseil national pour HIV-SIDA puis aboli, ça y est une décision qui Conseil ministre prend dans son rencontre hier. En fait, ça c'est parmi plusieurs décisions qui Conseil ministre discute et prend décision Lula. Et vice-président de la République Ahmed Afif et député secrétaire Conseil ministre pour les affaires policières Margaret Momo. Une jeune média aujourd'hui pour présenter bon point et explique raison d'être bonne décision qui Conseil ministre prend hier et aussi répondre question la presse de sa bonne cisée qui concerne différents ministères et ça pour continuer toutes les semaines. Vice-président Afifi dit même si Conseil national pour HIV-SIDA est aboli, HIV-SIDA est resté un conseil de la santé important pour le pays qui pour continuer quand il prend cas avec par bonne licence en bas ministère de la santé. Il est important pour peuple sicilois de constater qui manière ressources pays il gagne mettre par rapport avec toute bonne qualité menace la santé qu'il y a dans nos pays. Nous on a menace non seulement HIV mais par exemple aujourd'hui on a 12% ou population qui peut souffrir avec diabète. 12% représente à peu près 12 000 personnes. 17% de la population qui peut souffrir avec tension. Ou on a les autres, les on met combination, ça, des problèmes ensemble, ils causent les autres problèmes tels que rognon qui peut masser, ou besoin de faire dialyse, cancer. Il y a plusieurs maladies qui relient avec différents fléaux la santé qui nous rencontrons aujourd'hui. Et bien sûr, SIDA, par exemple, il y a une maladie qui concerne aussi, mais nous constatons que dans le pays, il y en a environ 1000 personnes qui souffrent avec SIDA, qui nous détectent officiellement, et un cliban qui peut-être pas venir devant, mais seulement nous croise autant. Moins que 1%. Mais là, on prend les autres maladies, 12%, 17%, les autres importants, bon chiffre important, mais ça qui nous remarque, c'est pendant sa bonne le temps depuis le sida qui vient incisé très très prominent de la table ministère de la santé il en a évolution et ça le temps à cause de si temps quelque chose beaucoup de monde pas comprend qui m'a proposé nous pas encore dans tout bon mécanisme en place pour la guerre contre sida proposé gouvernement ça le temps qui prend une décision pour établir un conseil. Et son ouvrage, c'était pour coordonner un peu, bon effort pour contenir sa maladie. Mais avec le temps qui nous passe, ce qui nous voit développer, c'est un an, bon nouveau, l'encadrement légal qui nous a établi, par exemple, en 2013, c'est un Healthcare Agency. En 2015, c'est un Public Health Authority. Pas existé dans ce temps, c'est un ancien ministère de la Santé. Et un outil qui servit pour la guerre contre SIDA, c'était un conseil. Mais aujourd'hui, autour de vous, avec Public Health, qui lit aujourd'hui, c'est lui qui fait tout bon test le SIDA. On a CDCU, qui lit, qui donne tout bon traitement qui concerne le SIDA. Tout ça, là, il tombe dans le cadre de sa bonne institution. Et ils peuvent faire un travail excellent. Ça conseille, par contre, lui, il y en a, qui, par exemple, il dit, bon, il peut surveiller 1000 personnes à peu près, 1% de la population. Mais on a toutes les autres maladies, qu'ils n'ont pas un conseil. Pas à cause nous pas quoi est nécessaire, mais parce qu'il y a des gens dans l'organe qui peut faire ça l'ouvrage. Il y a un clic là. Si il peut faire par Public Health Authority, Healthcare Agency, c'est eux qui font la tisane, c'est eux qui donnent la tisane. Et nous sentons aujourd'hui, continuité avec tout ça développement, tout ça connaissance qu'il y a mené dans la lutte contre le sida, il n'est plus nécessaire pour en avoir un conseil spécifique pour une maladie. Sa conférence la presse pour passe en entier le SBCD, c'était 8 tantôt après Tiras Bingo, et le radio sa conférence pour passer à partir 7h30 à soir.
À partir du commencement, ça moi tout bateau privé et commercial qui moins qui 10 mètres longueur pour besoin enregistré avec l'autorité sécurité maritime SMSC tout bon license maritime qui l'autorité licensing ti donné pour à présent tombe en bas responsabilité SMSC. Ça vient après qui trois nouveaux régulations concernant license frais et identification bon bateau in fin en force. Dans une conférence la presse, député chef exécutif SMSC, Brigitte Adrienne, indique que l'identification de bon bateau pour commence par région. Qui mine identification et qui pour gagner identification number, ou prendre un certificat qui pour gagner pour li ha certificat pour la 5 ans. Avant de gagner un certificat, ou bateau pour besoin gagner un petit bateau en bas 10 mètres pour besoin gagner surveyed. So il pou gagne haman bateau pour gagne vérifier son seaworthiness and après ça ou pou besoin en assurance tout haman ti bateau pou besoin en assurance and some operator some small vessel sources ou pou besoin en hakino appel un certificate of proficiency SCOP le côté sa small vessel regulation il y en a un délai 6 mois pour tout mon petit bateau vin gagne identifié ça mon petit bateau li même li nous pour commencer par région nous pas pour faire lien seul keeping in mind qui SMS aussi une entité nous ou ressources même un petit peu limité so nous pour commencer li par région nous pas annoncer nous discuter nous supposer commencer dans région l'est pour le moment et nous pour continuer à annoncer quand nous allons mon autre bateau nous commencer avec privé aussi. Après ça, nous pouvons mouvoir commercial vessels. So, par exemple, pour un petit bateau, il y en a deux catégories. Il y en a private and commercial. Private, vous pouvez gagner un halet P avec un numéro devant. Après, commercial, il peut dépendre de la qualité commercial activity vous pouvez faire. So, si vous pouvez faire Higher Craft design, Hatch Identification Number. So, vous pouvez gagner HC avec un numéro. Ça, il y a déjà fait pour le moment. Si ou par exemple un trade vessel ou bien un fishing vessel pas un fishing vessel pour gagner SIZ ça qui SFP déjà donné so nous peut travailler ensemble aussi avec SFE pour nous capable faire high identification fishing vessel seulement pour le moment nous pas pour commencer avec fishing vessel nous peut commencer avec privé. Et SMSC pour aussi administrer certains frais qui auparavant titom en bas l'autorité licensing. Nous arrivons à la fin de la journée pour l'après-midi. Merci pour suivre.